Le 13 mai à Colombes, Saint-Étienne et Nancy joueront la finale de la Coupe de France de football. Les deux clubs se sont qualifiés en réussissant un seul but. Au Parc des Princes, devant Angers, Saint-Étienne en maillot clair dut sa qualification à un exploit de Beaulieu numéro 7 en première mi-temps qui dribbla trois adversaires avant de passer à Olexia. Et voici au ralenti le but grâce auquel Saint-Étienne s'est d'autre part qualifié aux dépens d'Angers. Au terme d'une belle action personnelle, Jean-Claude Beaulieu centre en retrait sur Olexiac qui marque. À la 68e minute, Angers va friser l'égalisation. L'arrêt de Habe fera couler beaucoup d'encre. Est-il régulier? Décomposons le mouvement. Voici Habe s'apprêtant à stopper le ballon de la main. À l'image suivante, la balle a nettement dépassé le poteau sans avoir toutefois entièrement franchi la ligne. Le but est refusé. Nous verrons donc le 13 mai à Colombes, une finale, Nancy-Saint-Étienne.